Shvaraya Kale 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 Shvaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya. Ellarkkum vanakkam. Enakku Tamil puthaandu. Ana Tamil Nadu-la konjam lockdown la irukkom. புத்தாண்டு ஒன்று ஒரு மகத்தான கொண்டாட்டம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில். கொண்டாட்டம்னா நாம் ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு தேவையில்லை. நாம் செய்யலை, நம்ம ஆட்ட பாட்ட எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆனந்தம், அன்பு, மகிழ்ச்சி, உற்சாகம் வெளியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கருவி, அவ்வளோதான். இந்த வருஷம் இந்த வருடம் நாம் அதிகமாக வெளியப்படுத்த முடியாது, வீட்டுக்குள்ளே தான். அப்படி இருந்தாலும் நாம் ஆனந்தமாக உற்சாகமாக அன்பாக இருந்தால் நமக்கு எப்பவுமே கொண்டாட்டம் தானே. இந்த ஒரு தமிழ் புத்தாண்டு நமக்கு ஒரு மகத்தான செவ்வாள் நம்ம முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்குது. இது நாம் பொறுப்பாக நடத்தா பொறுப்பாக இது நாம் நடத்தினா நமக்கு இதுலேருந்து ஒரு வழி இருக்குது. இல்லைன்னா இது ஒரு மகத்தான ஆபத்தாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு நாள் நீங்கள் எல்லோருமே ஒரு உறுதி எடுக்கணும். நாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த வைரஸ்ன்ற மகாமாரி நம்ம அழிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பண்ணிக்க வேண்டாம். நாம் பொறுப்பாக இது வெற்றிகரமாக கட்டாயமாக வெளியே வரோன்ற ஒரு உறுதி நாம் எனக்கு Aujourd'hui, c'est le nouvel an tamoul. On peut se demander combien de jours de l'an par an. Eh bien, c'est parce qu'il y a différents calendriers. Après tout, la planète est ronde et elle tourne. C'est vous qui décidez d'où vous partez pour mesurer. Différentes cultures ont commencé à mesurer l'année à partir d'un point qui représente un nouveau départ pour elles. Le Tamil Nadu, ou la culture tamoule, étant l'une des plus vieilles cultures agricoles
de la planète à le 14 avril, où il y a une certaine modification de la relation entre le Soleil et la planète. Et c'est aussi fêté dans le reste du pays, comme Vaishakhi ou Baishakhi dans d'autres parties du pays, parce que au nord, on passe aux récoltes en ce moment. Mais dans le sud, la récolte a eu lieu plus tôt, après Pongal, c'est-à-dire le 14 janvier. En ce moment, on prépare la terre, ce qui est considéré comme un devoir très sacré. Donc, avant de retoucher la terre, on l'a laissée un certain temps après la récolte, intouchée. Maintenant, avant d'y repartir et de labourer la terre, c'est considéré comme un nouveau départ, donc c'est le nouvel an pour les Tamouls. Le nouvel an Telugu était Ugadi il y a à peine quelques jours, parce qu'ils repartent sur les terres un peu plus tôt, parce que en grande partie, le Karnataka et l'Andhra Pradesh reçoivent la mousson du sud-ouest qui démarre fin mai. Le Tamil Nadu la reçoit aussi, cette partie du Tamil Nadu la reçoit, mais la majeure partie du Tamil Nadu attend la mousson du nord-est plus tard, une mousson du sud-ouest plus douce. De ce fait, leurs calculs sont un peu différents et commencent, aujourd'hui c'est le jour de l'an, parce que c'est une nouvelle année agricole, parce que l'agriculture était la base des vies ici. De ce fait, le commencement d'un nouveau cycle agricole est vu comme le jour de l'an. Pas décembre, parce que décembre, janvier, parce qu'à cette époque, rien d'important n'a lieu pour nous dans cette culture. Donc, tous mes vœux à tous les Tamouls à travers le monde. Donc, dans ce contexte, Sound of Isha va jouer quelque chose qui compte beaucoup pour les gens du Tamil Nadu. Thank you.
Maintenant que le nouvel an tamoul est terminé, maintenant on va au Kerala. C'est aussi le nouvel an au Kerala. Donc à tous les Malayalis à travers le monde, tous nos vœux, ce n'est pas la meilleure période, mais puissiez-vous être au meilleur de vous-même. Eh bien, on va devoir aller au Punjab, au Bengale, à Odisha. On ne peut pas leur souhaiter dans leur langue, on peut seulement dire... à chacun d'entre vous. Faites de cette... eh bien, de cette situation un peu dramatique, il y a encore beaucoup de gens qui protestent. Oh, est-ce vraiment nécessaire? Sortons et faisons ce qu'on a à faire, voyons ce qui va se passer. Eh bien, la dernière fois, quand il n'y avait pas de voyage aérien, quand il n'y avait pas les mouvements de population d'aujourd'hui, la dernière fois quand c'est arrivé, en 1918, la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes. Vous voulez réessayer? Non. Je pense que quelqu'un doit vous arrêter. C'est ce que le gouvernement essaie de faire. C'est ce que les gouvernements du monde entier essaient de faire. Ceux qui n'ont pas confiné suffisamment vite, malheureusement, ces nations souffrent énormément. Aux États-Unis, le nombre de morts a dépassé les 24 000. Eh bien, ce n'est pas une source d'inspiration pour le reste du monde. Parce qu'une nation très riche, avec le plus haut niveau d'infrastructure, si ça se passe comme ça, ce qui arrive aux autres pays est une situation très intimidante. Donc, l'Inde a contenu le virus, mais elle ne l'a pas conquis. On l'a seulement contenu. Connaissant la nature de ces organismes, ils n'ont pas de cerveau. Ce que je dis, c'est que vous êtes en bonne compagnie. Ils ont une cellule, ou probablement quelques-unes, deux, trois cellules, mais pas de cerveau en tant que tel. Mais ils sont déterminés à faire ce qu'ils veulent faire. Ils savent ce qu'ils veulent pour leur vie. Et ils vont travailler à cela sans relâche. Ils ne sont pas comme vous. Trois semaines à la maison, soudain vous pensez qu'il ne va rien se passer, vos priorités vont changer. Ils ne sont pas comme ça, leurs priorités ne changent pas. Ils sont simplement on, on et on. Vous savez qu'on vous a dit Nischala Tatvam Jivan Mukti'i, une détermination qui ne vacille pas, est la libération. Eh bien, leur détermination ne vacille pas et ils n'ont pas besoin de libération. Ils sont prêts à vous libérer. Donc ça ne doit pas être pris à la légère. Malheureusement, un cerveau complexe n'est pas devenu un avantage pour tout un tas de gens. C'est le plus grand avantage que nous ayons sur les autres créatures, d'avoir un cortex cérébral complexe qui nous permet de regarder les choses à différents niveaux. Malheureusement, pour tout un tas d'êtres humains, cette capacité, au lieu de les rendre lucides, les a rendus constamment confus à propos de tout. Eh bien, ce n'est pas le moment de livrer le monde aux libertés individuelles et aux actions individuelles. Elles doivent être limitées en fonction des besoins d'une société. Comme je l'ai dit, le virus a été en quelque sorte entravé, mais pas conquis. Il pourrait décoller.
la semaine prochaine est une semaine d'application très sévère du confinement. Après cela, l'Inde envisage un confinement partiel, un assouplissement sélectif de certaines activités économiques qui sont nécessaires à la nation. Nous devons comprendre que ces assouplissements ne sont pas faits parce que nous avons conquis le virus ou qu'il a disparu, simplement parce que nos compulsions économiques sont telles que nous devons repasser à l'action. Donc, une menace existentielle sur notre vie et les problèmes économiques auxquels on peut être confronté sont deux dimensions différentes. Il faut s'occuper des deux, bien sûr, pour une nation, une société, mais rester en vie est de première importance. Avoir assez pour bien vivre est d'une importance secondaire. Donc en ce moment, s'occuper de la base de notre existence est très, très important. Et nous allons oublier le précédent confinement, nous allons en commencer un nouveau, c'est le jour de l'an. Tout frais. Donc ne portez pas le fardeau des trois dernières semaines. Nouveau confinement, jusqu'au 3 mai. Nouveau confinement ? Le vieux confinement, on l'a laissé tomber. Ceci est un nouveau confinement, profitons du nouveau confinement et tirons-en le meilleur parti. Et voyons ce que l'on peut faire de mieux pour tous ceux qui nous entourent. Nos bénévoles font un travail merveilleux pour fournir à manger à tous les travailleurs migrants des environs. Je crois qu'aujourd'hui, ça a concerné probablement 3000 personnes qui ont été servies. Ça va continuer à augmenter et faire peser une certaine charge financière sur nous. Mais dans le monde entier, des gens nous ont aidés à rendre cela possible. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous ont aidés financièrement pour rendre cela possible. Nous sommes aussi en train de mettre en place le même genre d'action avec le gouvernement du Karnataka, dans la région de Bangalore. Cela aussi va débuter dans quelques jours. Mais, comme je le disais, la chose la plus importante, la responsabilité fondamentale est de ne pas fournir un moyen de transport au virus, parce que nous sommes le mode de transport. Il a besoin de nous. Sans nous, il ne peut pas survivre. Donc, on doit juste maintenir une distance, une discipline de base, et respecter les protocoles qui sont en place, que vous connaissez déjà tous, et par-dessus tout, ne voyez pas ça comme quelque chose qui vous est imposé. Voyez-le comme une opportunité pour vous améliorer. Si vous voyez ça comme ça, 19 jours de plus, jusqu'au 3 mai, ne seront pas une corvée. Cela étant dit, comme je l'ai dit, du fait des compulsions économiques, nous allons définitivement nous ouvrir dans une certaine mesure d'ici la première semaine de mai. Mais ça pourrait être le moment, espérons que non, mais ça pourrait être le moment où le virus va attendre son heure et se déchaîner sur nous. Donc, l'idée c'est que on est prêt à supporter des pertes économiques, mais on veut limiter les pertes de vie. C'est ça l'attitude en ce moment. C'est la priorité. S'il vous plaît, en particulier ceux d'entre vous qui sont jeunes, qui pensent « il ne va rien m'arriver », oui, peut-être que vous allez juste tomber un peu malade et aller mieux, mais la génération plus âgée pourrait être balayée. Si les jeunes se comportent de façon irresponsable, la génération plus âgée peut être totalement balayée. Donc s'il vous plaît, comportez-vous de façon responsable. Il ne s'agit pas que de vous, il s'agit de tout le monde. En tant que génération, nous devons nous sortir de là avec succès. C'est ça l'important dans tout ça. Cette question est de Roop. Namaskaram Sadhguru. Avec votre grâce, j'ai eu la chance d'arriver à l'ashram l'année dernière. Depuis le tout début, il est clair pour moi que je suis ici pour avancer sur cette voie. Avec cette ferme résolution en tête, j'ai navigué à travers tous les programmes
et travailler sur moi-même avec ce que je connaissais le mieux. Depuis un certain temps, j'ai le désir de m'éloigner des distractions sociales dans lesquelles je m'enlise parfois. J'ai le sentiment que cela va m'aider à améliorer ma concentration et à m'apporter plus d'intensité et équilibre pour la seva et la sadhana. Peut-être qu'il serait bon pour moi de faire quelques heures de silence par jour. Merci de me conseiller là-dessus. Pranam. Pourquoi attendez-vous mes conseils? Pour juste la boucler? C'est ce que vous êtes censé faire tout le temps. L'ashram, ou le centre de yoga, n'est pas un club. Ce n'est pas une société où vous arrivez et rencontrez toutes sortes de personnes, vous nouez des amitiés, vous avez vos propres trucs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Ce n'est pas juste pour elle, pour chacun d'entre vous. Vous êtes ici, comme vous l'avez dit, avec une seule chose en tête, pour améliorer cette vie. Et vous avez dit, je fais ce que je connais de mieux. Ça, c'est un gros problème. Je pensais que tout ce qui concerne la façon dont vous devriez conduire votre vie, comment vous devriez respirer, comment vous devriez être assis, debout, ce que vous devriez manger, ce que vous ne devriez pas manger, quand, où, quoi, tout a été précisé. Mais vous faites encore vos propres trucs. Dans ce cas, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Si je ne vous guide pas, que faire? Vous faites vos propres trucs. Si vous faites vos propres trucs, rien de mal à cela. C'est juste que ça prend longtemps, c'est tout. Ce qui peut facilement être fait va prendre inutilement longtemps. Mais si vous, je ne sais pas, ce que dit votre horoscope, si votre horoscope dit que vous avez une durée de vie de 10 000 ans, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes un être humain normal, qui va vivre 80, 90, 100 ans, alors vous devez m'écouter moi, parce que le temps qui est disponible, je suis sûr que vous avez déjà 62 ans. Non, elle a 30 ans, je crois. Je ne sais pas qui vous êtes de toute façon. Quel que soit votre âge, même si vous avez 35 ans, quasiment 50% de votre vie est passée. Ce n'est pas le moment pour vous de faire vos propres trucs. Vous devez simplement écouter. Autrement, vous allez tourner en rond inutilement. Donc vous me demandez, est-ce que je peux être silencieuse quelques heures? Vous devez être silencieuse 24 heures par jour, ronflement autorisé. Et parler seulement quand c'est nécessaire à l'activité. Autrement, on est venu si loin, avec de belles montagnes et tout cet espace, pour que vous puissiez simplement être. Que vous puissiez simplement être en regardant la montagne. Si la montagne ne suffit pas, j'ai créé tout un ciel bleu. Vous devez vous engager avec la vie. Ceci n'est pas une société. Vous êtes ici pour votre aspiration individuelle. Vous n'êtes pas ici pour construire une société. Eh bien, on doit organiser la nourriture, l'hébergement, ceci, cela, un peu d'infrastructure. Ne prenez pas cette infrastructure pour une infrastructure sociale. Ce n'en est pas une. L'endroit a été créé pour la transformation individuelle et la libération individuelle. Je n'ai jamais dit que toute une foule va être libérée, uniquement des individus. Parce qu'il n'y a que les individus qui sont liés et il n'y a que les individus qui peuvent devenir libres. Donc, je ne vois pas pourquoi vous me demandez si je peux vous donner la permission d'être silencieuse. Si vous m'aviez demandé, Sadhguru, est-ce que je peux parler? Alors j'aurais dit, ok, des trois mots.
Maintenant, quand vous demandez « Est-ce que je peux être silencieuse ?», je ne sais pas quoi dire. Vous devez être silencieuse. À moins que vous ayez une chose qui ait du sens et de la valeur à dire, que ce soit en termes d'activité, ou en termes de questions, ou en termes de commentaires. Autrement, vous devez être silencieuse, plus qu'être silencieuse. Le plus important est que vous reteniez cette compulsion, que vous devez communiquer tout le temps, soit comme ça, soit comme ça. Maintenant, au moins, vous êtes un peu étouffé avec le masque. Ce désir de communiquer avec quelqu'un, ne pensez pas que vous avez quelque chose de fantastique à dire. Ce désir de communiquer arrive parce que vous vous sentez incomplète autrement. C'est exactement ce que vous devez régler, pas éviter. Vous n'évitez pas votre sentiment d'être incomplète, vous vous confrontez à lui. Comment ça se fait? Quand cette vie est arrivée sous la forme d'une vie pleinement épanouie, pourquoi se sent-elle incomplète? Nous devons nous confronter à cela, pas l'éviter en nous distrayant avec des conversations. Chacun d'entre vous, Roop et Aroop, tout le monde, pas de conversation. Pourquoi ne faites-vous pas ça? C'est le bon moment, le confinement. Confiné. Je pensais qu'on était déjà en confinement en ce qui le concerne lui. Quand c'est nécessaire pour travailler, vous dites quelque chose. Autrement, votre joie, vos intentions, votre amour que vous souhaitez exprimer, exprimez-les. Vous verrez que pour ça, vous devez prêter attention à toutes les autres vies. Pas simplement dire quelque chose, pas simplement envoyer un message, vous devez prêter attention. L'attention est toujours bonne. L'attention, sans aucune intention, est la meilleure chose que vous puissiez vous faire. C'est ce que silence veut dire. Vous êtes attentif, mais vous n'avez pas d'intention. Le bruit a lieu parce que vous avez une intention. Dès l'instant où vous avez une intention, ça va commencer à tourner, des plans, des projections, des calculs tordus, tout. Simplement une attention absolue, sans aucune intention. C'est ça le silence. Cela veut aussi dire que vous êtes au-delà de tout choix, et ceci et cela, rien de tel en vous. Vous êtes ceci, ceci et ceci. Et ceci est le processus spirituel. Quand vous êtes ceci et cela, c'est la vie matérialiste. Quand vous êtes ceci, ceci et ceci, c'est un processus spirituel. Il faut que je vous raconte ça. Lors du premier wellness programme qui a duré 90 jours, bénis sont ces gens qui étaient avec nous. Environ 68 étaient avec moi pendant ces 90 jours, quand ils n'avaient pas la moindre idée de qui j'étais. Ils ne savaient pas où je les emmenais, il n'y avait aucune infrastructure d'aucune sorte, ils sont juste venus, hommes et femmes. Juste une aspiration brûlante, c'est tout. Eh bien, en ces temps-là, je n'étais même pas gentil comme je le suis avec vous. Je suis toujours brûlant, crachant du feu. Mais ils sont venus. Donc, j'ai commencé le processus et je leur demande sans cesse, dites-moi, oui ou non? On veut faire ça, oui ou non? Et ainsi de suite. Au bout d'une semaine, 10 jours, un jour je suis revenu, c'était Kevailia Kutir, juste une longue hutte qui s'est effondrée 3 fois durant ces 90 jours. On devait la reconstruire à cause des vents forts de la mousson. Et je suis arrivé et il y avait juste un tableau noir. C'était notre principal support pour faire passer des messages. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de messages. Le seul support était un tableau noir avec un morceau de craie. Tout le monde pouvait y écrire. Quand je suis revenu, Sadhguru, oui et oui, ils avaient écrit.
J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Sadhguru, à partir de maintenant, vous ne nous demandez plus oui ou non. On est juste oui et oui. J'ai dit, si vous êtes vraiment oui et oui, alors je peux faire beaucoup de choses avec vous. Et on a ouvert toute une dimension de choses qu'on n'a plus été capable de refaire. Simplement parce que, oui ou non, puis-je devenir silencieuse? Vous devriez seulement demander la permission pour « Est-ce que je peux parler ?» Oui, vous ne devriez jamais me demander « Puis-je devenir silencieuse ?» Sadhguru, est-ce que je peux parler? Je n'ai pas parlé depuis 10 ans, est-ce que je peux parler? Oui, aujourd'hui, vous pouvez chanter. Je vais dire, pas parler, chanter. Donc, pour devenir silencieuse, rien à demander. Si vous posez cette question par rapport à une certaine sadhana, quand il sera temps, on vous le dira. En ce moment, la sadhana qui est disponible, les outils que vous avez, ne sont pas encore pleinement utilisés. Si vous les épuisez, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler à coup sûr. Yoga yoga yogeshwaraya bhuta bhuta bhuteshwaraya kala kala kaleshwaraya shiva shiva sarveshwaraya shambha shambha maha